Hey, où es-tu actuellement? Tu es dans un studio, il doit venir enregistrer une émission pour la RTU2. Tu es jolie, jolie aujourd'hui, hein? Jolie. Merci beaucoup. Lève-toi, je vais voir si c'est bien jolie, jolie, jolie. Ce n'est même pas jolie. M'en fous. Tu me connais? Tu m'as parlé mal sur les réseaux sociaux. Je vais te frapper. Il y a de beauté même. Attends, elle parle de quoi même? Elle parle de toi. Non! Non, 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 non! Moi, seulement, je ne t'aime plus, c'est fini. Ça là, je peux accepter. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Et puis, je m'en fous même d'ailleurs. Mais où j'ai venu me dire? J'ai venu m'arrêter pour me dire que tu m'aimes pas là. C'est ça, je comprends pas. Et puis, ce n'est pas toi qui as volé le mari de Christelle là. On vole pas Marie. Hein? Ce sont des êtres conscients. Il quitte là-bas, il vient dire à la fille que toi, tu comptes pas pour lui. Elle n'a qu'à faire quoi? Allez, ici, là, c'est chaud. Pour avoir Marie, c'est compliqué. Mais tu me dis que tu es seule, je vais te suivre. À cause de ça, tu l'as arraché dans la main de sa femme. Oui. On a vu des choses ici, on voit des choses. La femme est mariée, elle sort avec son patron. Hein? Le monsieur est marié, il sort avec sa secrétaire. Bien, les deux mêmes sont mariés et puis ils se gèrent. À plus forte raison, une fille célibataire, elle va venir la dire, elle veut pas. C'est quoi? Général, pardon, dis deux mots, pardon. Dis deux mots. C'est hallucinant. C'est dramatiquement hallucinant. C'est devenu épidémie. C'est pas nous on envoie ça. C'est pas nous on envoie ça. Vous êtes trop fâchés là. Envoie maintenant les armes là, en Côte d'Ivoire là. C'est pas trop tu quoi. Vous prenez pour vous tuer. On s'en fout. C'est quoi? En général, tu vas te tuer pour ça quoi. Non! Non, 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 non! Et puis tu disais que tu allais me frapper. Regarde ma forme d'abord. Je t'ai prévenu, je t'ai dit, quelle que soit ta forme, je vais te frapper. Donc il faut arrêter de nourrir ce genre d'idées-là, ça ne va pas t'arranger. Mon sac de riz est fini, donc commencez à cotiser, s'il vous plaît. Comme c'est vous qui me faites là. Commencez à cotiser. Hein? Mon sac de riz est fini, allez là, on me chasser de ma maison. Cotiser le vieux, c'est toi qui perds son sac de riz. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications.